En 1995, La Poste commande une œuvre originale à l'artiste français d'origine chinoise, Zhao Wuqi, afin d'émettre un timbre dans la série artistique. Né en 1920 à Pékin, Zhao Wuqi rentre à l'école des beaux-arts d'Hangzhou en 1935, mais il se révèle un élève indiscipliné. À la peinture traditionnelle chinoise, il préfère les œuvres occidentales de peintres comme Cézanne. En 1948, il décide de s'embarquer pour la France et après 35 jours de bateau, il arrive à Marseille, puis Paris, où il délivre le seul mot de français qu'il connaît, Montparnasse. Il y prend un atelier où son voisin n'est autre que Giacometti. Très vite, il rencontre et côtoie de jeunes artistes, Pierre Soulages, Hans Hartung, Jean-Paul Riopel ou des artistes confirmés comme Henri Michaud. Zhao Wuqi recherche sa voie. De la calligraphie à la peinture traditionnelle chinoise, puis avec ses propres expérimentations, il la trouve vers 1954. Se sentant emprisonné dans la figuration, il s'en libère pour aller vers l'abstraction. Espace, lumière, mouvement, souffle sont pour lui les mots essentiels, le sujet de sa recherche permanente. Rendre visible ce que nous ne voyons pas, transmettre l'émotion par le geste, les couleurs. Il a su associer la conception chinoise du geste à la liberté picturale occidentale. La Poste a donc demandé à l'artiste de travailler sur un projet de timbre pour lequel il compose 10 aquarelles. Ce timbre, émis à 4 700 000 exemplaires, rencontre un véritable succès auprès du public. Zhao Wuqi s'éteint à l'âge de 93 ans. Travailleur acharné, il n'a pu concevoir son existence qu'en peignant chaque jour. Il laisse une œuvre à mi-chemin entre la poésie et la peinture, inclassable et unique.